Ruby Run. Alors, Zebadi, allez hop, on se lève et on va, je sais pas où vous faites, mais voilà, en fait, il faut d'abord qu'ils se fassent massacrer pour qu'ils me disent, ouais, il y en a qui se sont fait enlever, allez les sauver, ici, dans le camp des Rangers. Les Rangers, on dit Rangers, pas Rangers, putain. Ah, quoique, je suis beau. T'en as pas beaucoup, j'entends pas beaucoup, je... Ah, c'est vrai que les casques avec les fils partout, c'est vrai que c'est un peu embêtant. Heureusement qu'ils ont fait des casques sans fil. Mais ce n'est pas mon cas. Je n'ai pas un casque sans fil. Bon, de toute façon, on va aller là où on doit aller. Ah, ça, c'est des bidons de produits toxiques, de produits radioactifs. Quand on va s'approcher, on va bouffer des radiations. Hop, c'est ce que j'ai dit. C'est la logique. Le ciel est bien fait, je trouve. Mais je crois qu'il bouge pas. Ah si, il bouge. C'est ce que je disais. C'est ce que je disais, il est bien fait. Bon, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais, c'est vrai que dans le jeu, il y a un truc qui n'est pas là par rapport au temps. Il y a le vent, c'est vrai. Même si on voit. Ouais, quoi. Il n'y a pas beaucoup de vent, mais en même temps, dans le désert de Las Vegas, je sais pas s'il y a beaucoup de vent. On voit pas beaucoup de trucs qui bougent à cause du vent. Si, là, un peu. Voilà. Mais ça danse plus que. Plus qu'autre chose. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, et puis il a plu aussi, en fait. Vous ne verrez jamais de pluie dans le jeu. Ah, vivement qu'il refasse un Fallout. Un Fallout 4. Ce serait tellement magnifique. Je serai aux anges. Je serai aux anges. Je sais quoi ça là-bas. Ici, j'avais enquêté sur des meurtres. Enfin, des meurtres. Sur des. Bah ouais, en fait, c'est ça en fait. Chaque soir, il y a une vache qui meurt. Et après, y a un mec qui m'a dit il fallait que j'enquête en fait. Et en fait, j'ai appris en fait que c'était un super mutant en fait qui venait les tuer pour se nourrir. Je crois qu'il est. Mais le super mutant était seulement. On pouvait le caler seulement. Il avait un casque pour se rendre invisible en fait. Je sais plus comment on appelle ça d'ailleurs. Un Playboy, un truc comme ça. Enfin, bref. C'est pour se rendre invisible. Ils vont manger. Ouais, mais on voit jamais les personnages prendre. Regardez qui voilà. Tu me connais. Bonjour. Vous n'êtes pas d'ici, n'est-ce pas? Je m'appelle Bingo. Dusty. Qu'est-ce que vous faites ici, hein? Je cherche quelqu'un avec des vêtements à carreaux. Non, mais on s'occupe pas beaucoup des affaires des autres par ici. Vous aurez peut-être plus de chance au motel. Demandez peut-être à Ginny May. Elle est au courant de tout ce qui se passe dans cette ville. La plupart du temps, elle est à la réception. Oh, je m'occupe de mon ranch, voilà tout. Alice vous expliquera, je ne sors pas beaucoup. Comment vont les affaires ces temps-ci? Ben, de moins en moins bien. Quelqu'un attaque nos animaux chaque nuit. Notre cheptel a diminué de moitié par rapport au mois dernier. Chaque soir à minuit, Alice et moi, on est réveillés par des hurlements et des coups de feu. On croirait que c'est de nouveau la fin du monde. Chaque nuit, c'est la fin d'un animal. Personne ne le prend, personne ne le dépèce. Rien de tout ça. On le retrouve simplement sur place, tout troué. Bizarre. Je vais voir si je peux attraper le responsable. Ce serait formidable. Surtout si vous trouvez le coupable avant qu'il extermine tout le cheptel. Mais n'allez pas vous faire tuer, hein. Alice et moi, on trouvera un moyen de s'en sortir, comme d'habitude. Vous avez vu l'attaquant? Au revoir. Adieu. Adios. Adios, amigo. Hein? Ah, bah oui, ouais, enfin, bref. Ouais, ça peut arriver que des fois, quand on s'approche d'un objet qui est sur un comptoir, on s'approche juste un peu et le truc il vole. Fou. Je vous avais pas menti sur le dinosaure. Hein. Il y a vraiment un dinosaure.
On va le voir de plus près. Je crois que si on va par là, on va vers le barrage Hoover. Oh, les dents. Et en fait, il y a un mec qui est dans la mâchoire. C'est un sniper pour protéger la ville. Je vais prendre mes jumelles, on le verra mieux. Non, non. Ah bah si, je crois qu'on a vu son visage un peu. Regardez, on voit un peu son visage. Ah bah ça c'est un mec, c'est un sniper. Et ce petit sniper là, il a une histoire assez triste parce que sa femme vient de se faire tuer. Et nous, on doit chercher qui a tué sa femme. Même si moi je le sais déjà, hein, logiquement. Hein. Mais... Eh, c'est Victor! Qu'est-ce que tu voulais, toi? Nom d'un coyote à foie jaune. Mais c'est ma vieille connaissance de Good Springs. Tu me suis, hein? Rien de spécial. J'ai eu envie de faire un tour à New Vegas. Je le saurai quand je serai là-bas. Bon, quelle histoire de cet endroit, non? C'est une sacrée coïncidence qu'on se retrouve comme ça. Comme il n'y a pas d'autre route dans le coin, il faut s'attendre à retomber l'un sur l'autre de temps en temps. Ça fait plaisir de voir un visage amical. Tu as dit que les hommes qui m'ont attaqué devaient venir par ici, pas vrai? Non, je m'en souviens pas. Mais vous pourriez demander ici. Les gens de Novak font généralement attention aux étrangers de passage. Au revoir. À un de ces jours. Il est quand même bizarre ce robot. Très bizarre. Bon. On va aller voir l'autre là. Bon, vous savez quoi, je crois qu'on va faire deux quêtes ici. Tranquille, peinard. Enfin, on va faire la quête du sniper et puis la quête du monstre qui attaque les bêtes là. Enfin, voilà quoi. D'accord, il est retombé sur ses pieds. Trop bien. T'es tout, toi. Bonjour. Bienvenue à la boutique de Dinobite. Je suis Cliff. Si vous êtes là pour les figurines de T-Rex, vous arrivez à temps, il en reste quelques-unes. Je reste là. Oui, mais il ne m'a pas acheté de souvenirs, si c'est ce que vous vous demandez. Apparemment, il n'avait pas d'argent sur lui. Ses amis étaient déçus. Normal. Moi aussi, je serais déçu de trouver une boutique comme ça et d'avoir laissé mon argent ailleurs. Manny en sait peut-être plus sur eux. Il avait l'air de bien s'entendre avec certains. Il travaille dans la gueule du dinosaure la journée. Revenez vite. Manny Vargas. Manny, c'est... Oula. On peut tomber? Non, je crois pas. Ouais, c'est ce que je pensais. Je suis dans la gueule du loup. Non. La gueule. Quoi de neuf, Ombré? J'ai vargué. J'ai acheté un homme avec des fringues à carreau. Comme d'hab. Ah oui, je vois bien. Je le connais. Quoi? Que vous lui voulez? Tu le connais? Rien. J'ai un compte à régler. Il y a quelque chose qui m'appartient. Je cherche une des réponses. Ça doit être important pour que vous traquiez un gars comme ça. Tu m'étonnes. Bon, écoutez, je suis sûr de pouvoir vous aider à le retrouver. Mais moi aussi, j'ai mes petits problèmes. On peut conclure un accord. Vous avez besoin de mon aide. Et moi aussi, j'ai besoin de quelque chose. On a négligé vos besoins trop longtemps. Bah ouais, ça se sent. Qu'est-ce qu'il vous faut? Maintenant, Novak, c'est devenu chez moi. Et je veux que ça continue. Je me plais bien ici. Et j'ai déjà quitté trop de foyers. Mais notre seule ressource dans le coin, c'est la récup. Sans ça, les gens n'auraient rien à négocier. Et? Tout le monde devrait partir d'ici. Avant, on récupérait notre ferraille sur l'ancien site des fusées. Mais il y a un groupe de ghouls qui a débarqué et qui nous empêche d'approcher. Pourquoi ne pas vous en occuper? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ou plutôt, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh ben, tout ce beau monde doit dégager ou cette ville sera bientôt une ville fantôme. Peu importe comment vous vous débrouillez. Tant que les ghouls foutent le camp, ça me va. D'accord, je vais voir ce qu'on peut faire. C'est très important pour moi. Qu'est-ce que je dois faire déjà? Je vais faire à qui? Au revoir. Ouais, à plus. Bon, en fait, c'est pas lui que je vous... Je sais pas où il doit être. Mais il y a lui comme sniper et il y en a un deuxième normalement. Et le deuxième, je crois que... Bah, c'est... Je crois que le deuxième, en fait, il travaille seulement de nuit, en fait.
C'est comme il est de nuit, il doit être sûrement dans sa petite chambre. Porte vers Cliff Brisco. Cliff. Rien. Roger Andy. Andy. Tiens. Andy, ça me dit quelque chose, Roger Andy. On ne s'est pas encore rencontrés. Non. Vous venez probablement d'arriver en ville. Non. Je m'appelle Andy. Non. Qu'est-ce que vous faites dans le coin, Andy? En ce moment, je passe pas mal de temps à compter les fissures du plafond. C'est bien. Et bonjour, j'aide à maintenir l'ordre. Boone et Vargas surveillent la route et moi la ville. Ça me donne l'impression... Oui, Boone. Vous êtes à la Rancée, hein? Parlez au passé. J'ai fait partie des Rangers. À l'époque où mon bras et ma jambe fonctionnaient normalement. Mais je fais toujours semblant d'être un Ranger. De temps en temps, ils passent me voir pour me présenter leur respect. C'est bien, on s'en fout. Bordel, écoutez-moi. Mais non, j'ai pas envie de t'écouter. Un poste rempli de Rangers devrait être en mesure de se débrouiller. Ouais, vas-y, parlons d'autre chose. Genre, ferme ta gueule, en fait. Faites bien attention. Ouais, c'est ça. Ne chauffe pas trop, tu... La balle, elle va vite partir. Bon, Boone, ils ont dit. Hein. Boone. Non. Ouais, vous pouvez louer des chambres hein, si vous voulez. Ah, de Boone. Porte vers chambre de Boone, mais ça veut dire que si c'est rouge, c'est qu'il est pas là. Porte chambre. Mais bon, ça fout. Bon, mais Boone. Boone! T'es où, putain? Je te cherche! Il est là-dedans, quoi. L'accueil de la ville. Bonjour, madame. Salut. Toi, dégage. Eh, hey, bienvenue. La route a l'air d'avoir été fatigante. Pourquoi ne pas vous détendre et profiter de notre belle petite ville? Je n'ai pas besoin de vous connaître. Bon, c'est fou. Oh, où ai-je la tête? Je cherchais tellement à faire bonne impression que j'en ai oublié de vous dire mon nom. Je m'appelle Jenny May. Je m'occupe des gens ici au motel, tant qu'ils ne font pas d'ennui. Méfiez-vous des étrangers. Ouais, t'en es une pour moi. Oh. Faut de récupérer des canettes. On va pouvoir faire des colliers avec les capsules, là. Les capsules de Sunset, je sais pas quoi. Oh, attendez, il y en a... Ah oui, ça c'est le robot, mais il y a un deuxième truc là, normalement. C'est un gars ça? Non, c'est une tâche. Ouais, mais il est où le connard là? Bon, comme il fait nuit, je pense qu'on va plutôt enquêter sur les meurtres d'Ebrahim. Nebrahim, c'est les vaches, hein. Ils sont appelés comme ça, ici. En fait, si vous avez pas remarqué, mais les vaches, ils ont deux têtes. C'est qui ça? Ah, mais je crois que c'est... une ranger, je sais pas. Soir. Soir, non, même pas. Que puis-je faire pour vous? C'est un membre de la caravane, je pense. Je suis blessé, j'ai besoin d'aide. J'ai besoin de matériel médical. Il y a moyen de se soigner pour céder à la radiation, ben là. Ouais, à plus. Au revoir. En fait, on peut vraiment causer la causette à tout le monde, mais bon, ouais... Bon, on va enquêter sur... C'est quoi ça? On va enquêter sur les meurtres d'Ibrahim. Je crois que ça se passe vers minuit. Allez-y, ils ont deux têtes. Ça, c'est à cause des radiations. Oh là là! Ah non, c'est les vaches, je suis con. On va se cacher quelque part.
pas être trop voyant non plus. On va se cacher ici. Et on va attendre que le meurtrier... Enfin, que le meurtrier, il tue des animaux en même temps, mais bon. C'est bizarre qu'il les prenne pas pour les bouffer. Ce serait tellement logique. Détecté. Par qui? Par les vaches? Ouais, je pense que c'est les vaches qui me détectent. On va attendre. Hein. De toute façon, on a le temps. Hein. En espérant que le responsable, le tueur de vaches, attaque ce soir. Je vois pas d'étoile. Il est en même temps, il est seulement 10h. Je pense que s'il attaque, ça sera vers les minuit. Parce que on va avancer. Ça fait 10, 11. Non, on va juste rajouter. Là, il est quelle heure là? On va rajouter encore une heure. Voilà, c'est parfait. Je pense qu'il va attaquer vers les minuit. Je pense ça serait logique. C'est l'heure du crime, mais minuit, c'est l'heure du crime. Qu'est-ce qu'il faut dehors? Qu'est-ce qu'il faut dehors? Elle normal. C'est peut-être elle qui tue les vaches. Hein. Oh. Arrête-toi, enculé! Je t'ai calé, hop! Ah, mais je vais te suivre, t'inquiète. Regarde, il est là. Normal. C'est ce que je disais, en fait, il est invisible parce qu'il porte un casque invisible. Chut. Je peux pas dormir. Je peux pas dormir. Chut. En fait, là, je peux le tuer hein, si je veux, mais. J'ai envie de savoir pourquoi il tue les vaches, ce con. Ah, parce qu'il arrive pas à dormir, je suis con. Oh, les gars, je viens de le dire en plus avant. Bon, tu te décides? Ça suffit, ça suffit, ça suffit! Eh, si tu me parles pas, je vais te tuer, gros, hein. Bon, tu fais chier. Ah bah voilà, tu vois quand tu veux. Non mais... Tiens, ça fait quoi de te prendre des balles? Wouh, il se téléporte le daron. Tiens, mes balles aussi se téléportent à ta gueule. Et voilà. On a résolu la première enquête. Cartouche, le cri d'Ebrahim. Minigun.
Il pèse combien le minigun? Il pèse 25. Ouf, c'est un peu trop gros, hein. Ok. Ouais. Alors ça va, je peux porter encore 200 watts. Ok, alors on va écouter le message. Mais en fait, il était pas méchant, c'est juste parce que les vaches les empêchaient de s'endormir, mais bon. Hein. On va faire chier les cris d'Ebrahim. La majorité de ce qui est enregistré ici est un foutoir. Hein, incompétent. Non, je crois que c'est ça. Attaque de Midnight Rush. Du sim, hein, ouais, ah bah c'est bon, je crois que c'est bon. Ouais, bon, voilà, il faut que j'aille dire à l'autre que j'ai réglé l'affaire. En fait, si tu es les vaches parce qu'elles faisaient trop de bruit. Hein, c'est dans Skyrim que quand j'entrais chez quelqu'un, il me virait. Regardez qui voilà. J'ai réglé l'affaire. Vous avez trouvé quelque chose? Personne ne m'aimera plus attaquer votre corail. Eh ben, je ne sais pas comment vous avez fait, mais je sais comment vous remercier. Ah bon? Acceptez ça, avec mes compliments et ceux d'Alice. Et n'hésitez pas à taper dans ce congélateur. On a assez de steaks pour vous nourrir pendant un an. Ça, c'est quelqu'un. Cool. Merci. Adieu. Adios. Acceptez, les gens sont venus vous exiger pour votre nature. La merde, c'est... Ouais, c'est serviable. Alors, on va aller voir le sniper qui est dans la bouche du dinosaure. Parce que lui, il en a un gros à me dire. Et toi, t'en as un gros sur les épaules. Petite loupiote. Ping. Bon, Novak. T'as grave. Il est encore là, le robot. Non, le sniper qui a perdu sa femme et le service de nuit. La balade des gens heureux. Je sais pas pourquoi je dis ça, moi. C'est moi. J'adore ce jeu. Non, quel jeu? Ah bah voilà, c'est lui. Boone, retourne-toi tout de suite. Bon sang, faut pas me surprendre comme ça. Qu'est-ce que vous voulez? Vous attendez de la visite? Ouais, peut-être bien. Mais pas dans votre genre. D'ailleurs. Peut-être que c'est vous que j'attendais depuis longtemps. Qu'est-ce que vous faites ici? Je voulais simplement admirer le paysage. Boum. Je crois que vous feriez mieux de partir. Quoi? C'est juste une conversation amicale. Je n'ai aucun ami ici. Tu m'étonnes. Eh ben, je me suis pas d'ici. Je ne vois pas à quoi ça me concerne. Je n'ai jamais dit que je voulais qu'on soit amis. Attendez. Vous venez d'arriver en ville. Boum, la gueule. Vous ne devriez peut-être pas repartir. Pas tout de suite. D'accord, pourquoi ça? J'ai besoin de quelqu'un de confiance. Vous n'êtes pas du coin, c'est un début. Qu'est-ce que je dois faire? Je veux que vous trouviez quelque chose pour moi. Je ne sais pas s'il y a vraiment quelque chose à trouver, mais j'aimerais que quelqu'un cherche. Ma femme a été enlevée, chez nous, par des négriers de la région. Ah oui, enlevée. Une nuit où j'étais de garde. Ils savaient à quel moment venir, quelle route prendre. Bizarre. Et ils n'ont emmené que Carla. C'était un coup monté. Par qui, je n'en sais rien. Ma femme est morte. Je veux le fils de pute qui l'a vendu. Qu'est-ce que tu vas faire Amenez-le ici, devant le nid, pendant que je suis de garde. Je travaille la nuit. Je vais vous donner mon béret de la RNC. Ça sera notre signal. Comme ça, je saurai qu'il est avec vous. Et je m'occuperai du reste. Il faut que je fasse ça moi-même. Ok. Bien. Vous n'aurez pas à le regretter. Encore une chose. Quoi? Nous ne devons plus nous parler. Pas avant que ce soit fini. Henri tous ignorent que je sais ce qui est arrivé à ma femme. Il vaut mieux qu'ils ne le sachent jamais. Sinon la Légion s'en prendra à moi. Je le sais, d'accord? Et c'est tout ce que vous avez besoin de savoir. Ouais. Ok. Alors, on va enquêter sur... Non, sur la disparition de sa femme. Excusez-moi si vous m'entendez manger, hein, mais bon, j'avais une petite faim. Je mange des balistos. C'est trop bon ces trucs-là, putain, balistos. C'est trop de la bombe. C'est trop de la bombe. Alors, qui je dois interroger? De toute façon, je sais déjà c'est qui, de toute façon. La... Enfin, le responsable ou la responsable.
me désaltère, et c'est déjà pas mal. Bon. Facile. Ah, je peux pas, putain, genre. Niveau 25. Ah, putain. Tiens, seulement 5 points, il faut. Crochetage 20, putain. Y a pas un truc qui peut me donner des points de plus, là, non bon. Agité, moins 4, je sais pas où utiliser. Chier. Qu'est-ce que je veux faire? Je m'en rappelle plus. Ah oui, je veux voir. Ils sont où mes XP? Point de vie. Je sais plus où on doit regarder pour. Ah, expérience 1320. D'accord, bah, je crois que. Bon, on va aller poser des questions. Comme font les bons enquêteurs. Parce que le responsable va pas nous tomber du ciel. Elle est chelou, elle se promène la nuit normale. J'espère que tout est à votre goût. Sauf ta gueule. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur la femme de Boone? Comment dire? Je crois qu'on pourrait dire qu'elle était comme une fleur de cactus. Vraiment jolie. Mais il valait mieux ne pas trop s'approcher. Elle ne s'est jamais habituée à la vie ici. Elle aimait les lumières et le rythme de vie de New Vegas. J'ai l'impression qu'elle a essayé d'entraîner Boone là-bas. Mais il faut croire qu'elle en a eu assez d'attendre. Qu'est-ce que qui ne va pas chez Boone? J'aimerais louer une chambre, non? Vous avez moi quelque chose à vous montrer devant le lieu? Normal, mec. Venez avec moi, j'ai quelque chose à vous montrer devant le dinosaure. N'importe quoi. C'est quoi? D'accord, si vous pensez que c'est nécessaire. Oui, c'est nécessaire. Oui. Je vais l'emmener devant le dinosaure pour qu'elle se fasse tuer. Et vous inquiétez pas, je sais que c'est elle. Parce que voilà, que je me suis déjà tapé le jeu. Et en fait, c'est elle qui l'a vendu au négrier. Pour je sais plus quoi, pour forcer en fait Boone à rester ici pour protéger la ville en fait. Voilà, quoi. C'est une pétasse en fait, elle cache bien son jeu. Mais croyez-moi. C'est une pétasse et elle mérite de mourir. De toute façon, je vais prendre la clé et vous allez voir, je vais prouver ce que je dis après. Oui, parce que j'ai trouvé quelque chose de bizarre devant le dinosaure. Venez voir, c'est tellement chelou. Enfin, je veux dire, je crois que c'est de l'or, mais je suis pas sûr. Voilà, j'aimerais un spécialiste pour me dire si c'est une pièce d'or ou pas. Voilà quoi. Voilà, c'est ici. Arrêtez-vous, s'il vous plaît. Merci. Regardez, en bas. Il y a de l'or. Oh, je trouve qu'il y a trop de soleil aujourd'hui. Je vais mettre mon petit béret. Voilà. Pour me protéger du soleil. Oh, mon Dieu, qu'est-ce qui vient de se passer? Une météorite vient de lui atterrir sur la gueule. Oh, mon Dieu. C'est énorme. Bon, ça arrive, mais bon. Clé du coffre-fort. Hop. Repose en paix. Hey, mec! Beau tir. Beau tir, Mines. T'as rien vu? T'as rien entendu? Voilà. Allez, on va d'abord fouiller dans le coffre. J'adore ce jeu parce qu'il y a de la musique que je kiffe. Alors, acte de vente. Argent d'avant-guerre. Je prends Nuka-Cola, je prends ça. Vodka, je suis pas Nelquick. Alors, qu'est-ce que je voulais faire? Je me rappelle. Ah oui. Ajoute des messages d'acte de vente. Un acte de vente. Acte de vente. Nous représentants du consul officiel vont ce jour négocier et acheter à Jenny Maid Crawford de la commune de Novak les droits exclusifs de propriété et de vente de l'esclave Carla Boone pour la somme de 1000 capsules de bouteilles et ceux de l'enfant qu'elle porte. Oh, elle est enceinte. La somme de 500 capsules de bouteilles
Ce document tient état de lieux précipités. Nous représentons l'esclave de sa future organisation. Une vie escalier sur des. Le commandant des essais plein de pouvoir précipité et son enfant, l'esclave de l'avant. Un paiement supplémentaire de 500 capsules bouteilles sera alloué suite à la. Nous passons. Voilà. Je viens, voilà quoi, de vous montrer qu'elle était. Voilà quoi. Que c'était elle la coupable en fait. Elle a vendu la femme de Boone à des. Bah, pour se faire du fric en fait, c'est. C'est encore pire que je le pensais, mais le pire c'est que la femme de Boone était enceinte. Mon dieu. Je crois que je vais pas lui dire qu'elle était enceinte parce que je crois qu'il va se suicider le mec. Mais je vais lui proposer autre chose. Que je fais à chaque fois quand je joue à ce jeu. Parce que c'est un très bon sniper, si vous voulez où je veux venir. Et avoir un bon sniper à mes côtés, je dis pas non. Salut mec. C'est ça alors. Comment l'avez-vous découvert? J'ai trouvé l'acte de vente. J'imagine que je ne dois pas m'en étonner. Ça leur ressemble bien de garder de la paperasse. Tenez, c'est tout ce que j'ai à vous donner. Je pense qu'on en a fini. Qu'est-ce que vous allez faire? Je n'en sais rien. En tout cas, je ne vais pas rester. Plus rien n'a vraiment d'importance, à part tuer des légionnaires. Je vais peut-être me balader, comme vous. Venez avec moi, on s'occupera des légions. Vous êtes un hors-la-loi maintenant. Ce n'est pas une bonne idée. On tuera plus. Ouais, c'est peut-être bien vrai. Ah, et ça suffit pour que j'accepte, j'imagine. Ouais. Mais ça va mal se finir. Bien. Fichons le camp d'ici. Bonne vous a donné l'aptitude observateur. Et voilà. Maintenant, j'ai un ami. Il me suivra partout. Comme un chien. ce qui est bien, et voilà, voilà. On se retrouve pour la partie suivante. Avec notre nouveau compagnon de voyage, Boone, Super Sniper, qui va vraiment nous aider quand on va être confronté à des ennemis. Allez, moi je vous dis à suivre et ne ratez pas la prochaine vidéo, elle sera magnifique comme toutes les autres. Allez, ciao, bye bye.